والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons vous parler بإذن الله تبارك وتعالى de sourate Saba. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Louange à Allah à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Allah nous aide à méditer, à ressentir ce dont Allah Ta'ala nous parle. Tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a dans la terre, ça appartient à Allah Tabaraka Ta'ala. Louange donc à Allah à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et à lui la louange dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, toute cette humanité sera ressuscitée, les djinns, les animaux, les anges. Allah va établir sa justice, récompenser et punir. À lui la louange, et celui Al-Hakim Al-Khabir, celui le sage, le connaisseur. Allah Ta'ala connaît toute cette création, tous les détails de chaque créature, tous ses atomes, tous ses besoins, tous ses mouvements, tout son passé, tout son futur, et toute cette vie en groupe, et toutes ces interactions entre toutes ces créatures. Et c'est lui qui a tout planifié avec sa sagesse. Subhanallah. Et la sagesse d'Allah Ta'ala. Imagine juste que tu devrais créer un monde, disons, virtuel, comme un jeu, hein, puisqu'ils ont créé. Invente des jeux et tu vas inventer des personnalités, ou tu vas inventer des animaux, ou tu vas inventer des personnages. Mais comment tu vas faire les propriétés de chacun d'eux pour que tous ces différents personnages collent ensemble et ça fasse des diverses situations? Allah Ta'ala, comme ça, il a fait les animaux, les hommes, les djinns, les anges, tous ces différents matériaux qu'il y a sur terre. À tous ces états de chaleur, de froid, de, etc., etc., de liquide, de solide. Allah Ta'ala a agencé tout ça pour que ça fasse ce monde dans lequel nous arrivons. Et nous voyons que tout marche comme il faut. Le soleil se lève, il y a la mer pour donner la vapeur. Bref, tout est au point. Sans qu'on ait besoin de réfléchir. Est-ce qu'il y a besoin de régler ça, hein, ajouter de la chaleur, ou bien ajouter de l'eau, ou bien ajouter de la pression, ou bien changer les animaux, ou les plantes. Sa science et sa sagesse, dans toute sa création. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui monte. Allah Ta'ala voit tout ce qui bouge, tout ce qui agit, toute bête qui cherche sa subsistance, toute chose qui se chauffe ou qui se refroidit, tout courant d'air, n'importe quelle bête invisible à l'œil nu, tout ce qui se passe, Allah Ta'ala le voit, wa huwa ar-rahim wa ar-ghafur, et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Allah donne sa miséricorde à toutes les créatures, il les nourrit, s'en occupe, particulièrement à l'être humain. Allah lui donne sa miséricorde. Allah est pardonneur. Pourquoi? Parce que l'être humain est vraiment ingrat vers Allah, est vraiment audacieux de le défier avec ses péchés, avec son insolence, avec sa mécréance. Alors qu'Allah Tabaraka Ta'ala, c'est lui qui détient tout, c'est lui qui peut tout faire. Et justement, wa qala alladhina kafaru, et les mécréants disent, la tatina ça, que l'heure ne viendra pas. Et oui, les voilà. Allah, avec toute sa puissance, avec toute sa science, avec toute sa sagesse, et l'être humain, dans toute sa faiblesse, dans toute son ignorance, il est tellement limité, il est tellement petit, et il va lever la tête pour défier Allah, pour le contredire, pour affirmer son petit orgueil de rien du tout.
se lève pour défier Allah et dit que non, il n'y aura pas de vie après la mort. Subhanallah. Tu as compris cet univers? Tu as compris comment toi-même tu as existé? Tu as compris ce qui se passe ici pour pouvoir projeter l'avenir et dire ce qui va se passer après la mort? A dit. Et les mécréants disent, l'heure ne viendra pas. Ol bala wa rabbi, la tête dit non. Dit si par ton Seigneur, elle viendra. Ali min ghaibi. La yazubu anhu mithqal dharratin fi as-samawati wa la fil ard. C'est lui qui connaît ce qui est caché. Subhanallah. Regardez combien la science de l'être humain est limitée. Combien la science de l'être humain est limitée. Agis, des fois on découvre des choses, on se rend compte combien on est illimité. Je pense comme ça à des médicaments qu'on a pris pendant toute notre vie, pendant même des générations. Après on dit non, c'était pas bon. Vous voyez la science de l'être humain? On t'a fait avaler ce médicament pendant des années, pendant des générations, pour après dire non, c'était pas bon. Ah, comment on peut avoir confiance maintenant? Alors que quand tu prends un médicament naturel, des plantes, hein, des racines, des écorces, des feuilles, etc., tu ne me rappelles pas d'un médicament naturel avec des effets secondaires qui va provoquer un cancer, qui va provoquer des déformations chez les bébés, etc. En tout cas, l'être humain. Qu'est-ce qu'on leur dit? Aucun atome n'est caché de lui dans les cieux ni dans la terre. Wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin. Ni plus petit, ni plus grand. Tout était écrit chez Allah. Plus petit qu'un atome, il y a quoi? Allahu Akbar. Masha'Allah. Aujourd'hui, on cherche et on recherche ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome, à l'intérieur du noyau, à l'intérieur des protons. Ah, l'électron même s'est fait comment? Voilà. Tout est écrit, tout est chez Allah, de la totale. Et tout ce qui est plus grand, du plus petit au plus grand. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Pour récompenser ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Tous ces cieux et ces terres, toute cette science, toute cette puissance d'Allah Tabaraka Ta'ala, c'est pour récompenser les croyants. Voilà. Toute cette création, c'est pour qui? C'est pour le croyant. Pour toi qui crois en Allah. Regardez ce travail de toute la création. C'est l'être humain qu'Allah a préféré. Et c'est la raison qu'Allah Ta'ala t'a donnée pour voir, comprendre le bien et le mal, le vrai et le faux. Et ton cœur, qu'Allah Ta'ala t'a donné ta conscience, la pureté de ton âme, pour t'attacher à ce qui est vrai, à ce qui est bon, à ce qui est vertueux. C'est ça qui est le plus important que tout. Que tous ces cieux, ces terres, que ces anges, que tout ce qu'il y a dedans, pour récompenser. Quand on a la... On peut se comprendre, mes frères. Voilà. Comment est-ce que l'être humain peut s'attacher aux créatures et oublier le Créateur? Cela en un pardon. Et une bonne subsistance. Et ceux qui luttent pour contredire nos versets. Déjà, les mécréants, ils disaient qu'il n'y aura pas la fin du monde. Il n'y aura pas les comptes. Et maintenant, quoi? Eh bien, ils combattent cela. Ils combattent les croyants. Ils polémiquent, ils sortent les arguments contre l'islam. Contre Allah Ta'ala. Est-ce que vous ne voyez pas combien Allah Ta'ala est miséricordieux, est doux, est patient? Sinon pas. Mais il les aurait écrasés. Il ne va pas les laisser faire. Et Allah a sa sagesse. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Cela, ils ont un châtiment douloureux et humiliant.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. Ceux qui ont reçu la science. Et ils voient tout ce qui t'a été révélé de ton Seigneur et la vérité. Et guide au chemin du puissant et du loin, du louable, du digne et de louange. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui ont la science. Ceux qui ont la science, qui craignent leur Seigneur. Ceux qui ont la science, qui reconnaissent les signes d'Allah. Qui reconnaissent les signes d'Allah. Allah nous parle à travers le Coran. Allah Ta'ala nous parle à travers l'univers, à travers la création, à travers notre propre corps, à travers le jour et la nuit, à travers le chant des oiseaux, à travers le mouvement du vent, à travers les arbres, à travers la nourriture. Donc tout ça, Allah nous parle, nous montre ses bienfaits et sa grandeur. Et Allah Ta'ala nous parle à travers le Coran. Qu'Allah nous fasse des savants qui comprennent ces signes, qui profitent de ces signes. Et ceux qui ont reçu la science, ils savent que ce qui t'a été révélé de ton Seigneur, c'est la vérité. Et que l'apparence, ce que les yeux voient, c'est un leurre. Maintenant, on le renouvre. C'est des plaisirs, une jouissance trompeuse. C'est une jouissance trompeuse. Ce qu'on voit de nos yeux, les rapports de force, la puissance, le pouvoir, l'autorité, l'argent, la richesse, et tout, ça c'est un leurre. Ça c'est un piège. Ça c'est une épreuve. Ça c'est une mise en scène. La réalité, c'est Allah Ta'ala. C'est lui qui élève et qui rabaisse, qui accorde et qui refuse, et qui fait ce qu'il veut. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ. Et les mécréants disent, voulez-vous qu'on vous montre quelqu'un qui vous raconte que quand vous serez déchiqueté en miettes, vous allez être créé à nouveau. Allahu Akbar. Vraiment, la patience dans notre vie totale, ça nous dépasse. Hein? Ça nous dépasse. Si toi tu es là, que quelqu'un t'insulte, quelqu'un de minable, que tu peux écraser comme tu veux, et t'insulte, et te défie, et te traite de menteur, les gens disent, premièrement, il n'y a pas de vie après le-delà. Et il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous qu'on vous montre quelqu'un qui va vous raconter que quand vous êtes déchiqueté dans la terre, vous allez être recréé à nouveau? Est-ce qu'il a, c'est un menteur ou bien il est fou? C'est un menteur ou bien il est fou? Ceux qui ne croient pas en au-delà, ils sont dans la souffrance et dans l'égarement qui est très loin, dans un égarement très loin. Leurs cerveaux sont bloqués sur les apparences, sur le matériel. Qu'Allah nous fasse comprendre. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Voilà ce qu'Allah leur dit. Est-ce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a devant eux et derrière eux? Mais regardez, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant eux et derrière eux du ciel et de la terre. Mais regardez, c'est Allah qui est le créateur, c'est Allah qui fait tout, c'est Allah qui décide ce qu'il veut. إن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. Et justement, vous voyez ce que je vous disais? Qu'est-ce qu'Allah est patient? Allah dit, si on voulait, on les ferait avaler dans la terre ou faire tomber une partie du ciel sur eux. Allah dit, mais on peut les détruire à tout moment. Ces gens-là qui polémiquent, qui contredisent, Allah est capable
peux le détruire de n'importe quelle façon. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Il y a en cela un signe pour chaque serviteur soumis. Et regarde la grandeur d'Allah, sa puissance, sa science, et puis sa douceur, son pardon, sa miséricorde, sa patience avec le mécréant qui le renie, etc. Et il y a une question qu'on se pose. Allah a toute cette puissance. Mais toute cette puissance, est-ce qu'on peut l'exploiter? Est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce qu'on peut en profiter? Ou bien, on reste comme tout le monde. On vit dans les causes. On se débrouille avec notre corps, avec nos moyens, avec notre matériel. Ou bien, est-ce que cette puissance d'Allah Tabaraka Ta'ala, on peut faire en sorte d'en profiter, de utiliser cette puissance, d'agir avec cette puissance, de profiter de cette puissance. Toute cette puissance que les mécréants renient, mais nous on y croit. Mais le fait qu'on y croit, est-ce que ça va changer quelque chose maintenant dans notre vie? Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans notre vie? Comment profiter de toute cette puissance? Hein? Puisqu'il y a ceux qui la renient. Maintenant, ceux qui y croient, qui font confiance à l'endroit, qui ont compris que les apparences ne sont qu'un leurre, et que la réalité, qu'est-ce qui est derrière? Et Allah Ta'ala va nous montrer comment profiter de sa puissance. Mettre en marche cette puissance. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَمَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Nous avons accordé à David, alayhi salam, de nos bienfaits. Ô montagne, soumettez-vous avec lui ainsi que les oiseaux. Les montagnes et les oiseaux, faisaient le tasbih et la louange d'Allah Ta'ala avec lui. Oui, son orchestre, c'est les oiseaux, c'est les montagnes, c'est Saint-Germain, pour prier Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Wa alanna lahu al-hadid. Et nous avons ramolli pour lui le fer. Daoud alayhi salam travaillait le fer à la main, comme une pâte, sans avoir besoin de le réchauffer. Pour fabriquer quoi? Pour fabriquer quoi? Des armes et des armures. Parce que le prophète Daoud alayhi salam a passé toute sa vie de prophète à faire la guerre. Wa qatala Daoud Jalut et David a tué Goliath. La première guerre qui a permis aux Juifs d'entrer en Palestine. Et après être entrés en Palestine, tous les peuples alentours ont refusé que les Juifs s'installent et les ont convaincus. Donc il a passé toute sa vie à combattre pour Allah, pour la cause d'Allah, pour la cause de son peuple, ce prophète de l'Ibrahim. Et donc Allah lui a donné quelque chose pour l'aider dans son combat. C'est quoi? C'est que le fer, il transformait le fer avec ses mains. Et jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des guerriers qui avaient des armures ou des armes de Daoud alayhi wa sallam. Ça veut dire que ces armes-là étaient tellement avantageuses dans la guerre. C'était un avantage. Enfin, ça veut dire donc qu'il pouvait fournir à son armée des armes et des armures qui leur donnaient un avantage sur les ennemis. Que jusqu'au temps du prophète sallam, ces armes étaient en circulation. Et celui qui les avait, c'était un avantage. Voilà. La puissance d'Allah. Voilà.
qu'Allah a donné. Ça, à Daoud alayhi salam, le mental et les oiseaux. Qui adore Allah avec lui. Et Allah lui a attendri le fer. Et puis, Ani'amel Sabirati, Wakad de Fesel fabrique des armures. Wakad de Fesel dit, alors là, excusez-moi, j'ai oublié, c'est quoi? Wa'amalou Salihan, et œuvrez en bien. Inni bima ta'amalouna basir, car je vois ce que vous faites. Ah. Quand on rentre dans les bienfaits d'Allah, dans la confiance en Allah Tabaraka Ta'ala, et quand Allah Tabaraka Ta'ala va nous aider, Allah a pitié de nous, il n'y a plus de zigzag. Il n'y a plus de zigzag. Quand on est avec Allah Tabaraka Ta'ala, il faut exclure de sa vie toute autre chose. Pardon. Il y a une jalousie d'Allah qui va s'installer sur la personne. Une jalousie qui fait qu'Allah Ta'ala ne supporte pas que tu vas te diriger vers quelqu'un d'autre que lui ou t'attacher à quelqu'un d'autre que lui ou le laisser. Wali Sulaiman al-Riha Rubuha Shahrad Warawah. Et à Sulaiman, nous avons donné le vent. Je vous ai dit, quand on dit que Allah a ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre, qu'Allah Ta'ala connaît chaque atome, qu'Allah Ta'ala connaît tout ce qui est caché, qu'Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, et on se dit, mais toute cette puissance-là, est-ce que nous, on ne peut pas gagner quelque chose? Hein? Est-ce qu'on ne peut pas obtenir quelque chose dedans? Voilà les mécréants. Ah, ils remis, Allah Ta'ala leur répond, et ceux qui y croient, qu'est-ce qu'il garde? Puisqu'Allah dit qu'il a fait ce monde pour récompenser les croyants. Bien sûr, il y a la récompense du paradis après la mort. Et dans ce monde, voilà. Allah Ta'ala, effectivement, sa puissance c'est pour nous. Sa puissance, c'est pour servir aux croyants. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. C'est un devoir pour nous de vivre. Sa puissance, elle est là pour les frères. Et à Souleymane, nous avons donné le vent. Nous avons assujetti le vent, soumis le vent. Rawah wa hachahru wa rudu wa hachahru. Rudu wa hachahru wa rawah wa hachahru. Le matin, le vent part la distance de un mois. Et l'après-midi, il revient. Souleymane, alayhi salam, ses soldats, ses affaires, tout ce qu'il veut, le vent les prend et les transporte. En une matinée, la distance, une distance où il faut un mois de voyage pour atteindre. Hein? Un mois de voyage. Il le fait en une matinée avec son armée et il revient l'après-midi. Alors, si vous lisez l'histoire des guerres, des civilisations, la puissance d'un pays, la puissance militaire d'un pays, bien entendu, c'est son armée, sa force. Et puis, c'est sa capacité à envoyer des armées à tout endroit. Parce que si, par exemple, on est là, dans notre capitale, on a des armées, et puis on a un immense pays, et puis il y a un problème à l'autre bout du pays, et nous, pour envoyer une armée là-bas, il nous faut un mois. Donc, c'est un problème. Donc, on ne peut pas gérer, on ne peut pas contrôler. Mais si, à une distance de un mois, tu entends qu'il y a un problème, tu envoies l'armée le matin même, elle est sur place. Ce que tu vois. Ça fait que même si ton royaume est immense, partout les gens ont peur de toi. Parce qu'ils savent que le jour même tu peux être mort avec ton armée. Donc tout le monde ne marche pas. Qu'est-ce que vous voyez? Donc pour un roi, le fait d'avoir ça, cette capacité, hein, c'est aujourd'hui, c'est l'aviation qui est ce qu'il y a de plus fort militairement, hein, si on ne parle pas des missiles pour aller tout détruire de loin. Hein, mais sinon, c'est les avions. Et au temps du prophète, c'était les chevaux, parce que c'est le déplacement rapide. Mais, voilà, Allah a donné à Souleymane, ce qui dépasse tout ça, le vent.
رواحها الشهر غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر et nous avons fait couler pour lui la source. Alors il faut méditer parce que il y a ce métal que Allah Ta'ala a fait couler uniquement pour Suleyman alayhi salam. C'est quoi déjà? Cuivre. Non, je ne crois pas que c'est le cuivre. Je pense que c'est le bronze. Le bronze est un alliage ou un élément pur? C'est l'étain qui est un mélange de bronze et de cuivre. Je suis désolé, mais je pense que c'est le bronze. Et les savants disent que tout le bronze qu'il y a sur terre, c'est ce que Allah a donné à Suleyman alayhi salam. C'est-à-dire, c'était le début à la fin du bronze sur terre. Ce que Allah Ta'ala a donné à Suleyman alayhi salam, une source qui coulait. Est-ce que vous voyez? Allah Ta'ala peut donner ce qu'il veut, comme il veut. Hein? Allah Ta'ala peut donner ce qu'il veut. Et pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas pour sa gloire personnelle. Daoud alayhi salam, je vous ai dit, c'est pourquoi? C'est pour qu'il fasse les conquêtes et qu'il établisse ce royaume croyant, le premier pays, la première communauté croyante des juifs avec Moussa alayhi salam. Ils ont refusé d'aller en Palestine. Allah les a condamnés à errer 40 ans dans le désert. Au bout de ces 40 ans, il y a eu une autre génération qui était prête à combattre. Et il y a eu des désistements jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à 314 face aux ennemis. Et c'est là que en tout cas, hein, c'est comme ça. Allah a accordé que ce pays, que cette communauté croyante puisse exister. À l'époque, ils étaient élus par Allah, comme c'était les seuls croyants. Et puis, Allah a donné cette puissance à Suleyman alayhi salam pour renforcer le royaume et pour les garder dans la droiture, puisqu'il avait même la domination sur les chiens. Allah lui a donné de quoi dominer les hommes, et pour que parce que les juifs avaient besoin de ça. Comment faire pour qu'ils suivent la religion? Eh bien, on va enchaîner les chiens. Mashallah, c'est une super solution, n'est-ce pas? La façon que les chiens sont enchaînés pendant le ramadan, eh bien, ils étaient enchaînés pendant tout le royaume de Suleyman. Pour que les gens suivent la religion. Est-ce que vous voyez? Allah a fait ça. Au temps de Moussa, alayhi salam, quand Moussa était avec eux, c'était désobéissance sur désobéissance. Donc, que faire pour que au moins une génération soit droite, soit pieuse? Eh bien, Allah a donné ce pouvoir à Suleyman, alayhi salam. Après que Daoud ait conquis, la Palestine, et le royaume s'est établi, Allah a étendu à Suleyman. Donc je disais, et nous lui avons fait couler la source du bronze, Wallahu a'lam. Et il y en a parmi les djinns qui travaillent devant lui, par l'ordre de son Seigneur. Et celui d'entre eux qui s'écarte de notre ordre, nous le faisons goûter au châtiment de l'enfer. Ça veut dire, Allah a soumis les djinns de force à Suleyman alayhi salam. S'il y a un djinn qui lui désobéit, l'enfer le frappe. Hein? Il est brûlé par l'enfer automatiquement. Donc, ça c'est Allah qui a fait. Donc, il n'a pas besoin de les surveiller. Et comment tu vas surveiller les djinns? En tout cas, il les voyait, puisqu'il travaillait devant lui. Hein? Mais tu vas surveiller les djinns jusqu'à quand? Voilà. Donc c'est Allah qui a fait que celui qui désobéit, l'enfer le frappe. Voilà. Donc quand il leur donne un ordre, c'est réglé. Tous les djinns marchent au doigt et à l'œil. Masha'Allah. Nous dirons min adab al-sa'id. Ya'maluna lahum ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur al-rasiyat. Il fabrique pour lui ce qu'il veut. Maharif, c'est le mihrab, donc des lieux de prière, watamati, des statues, des monuments. Et à l'époque, ce n'était pas interdit. Comme on sait que la religion
est venu progressivement. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi et les prophètes avant moi, c'est comme quelqu'un qui a construit un palais, et il l'a fait parfait, et il l'a fait beau, et il manquait juste une pierre. Et les gens sont mis à tourner dans ce palais, à dire, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est parfait, mais pourquoi il manque cette pierre? Il n'a qu'à terminer cette dernière pierre pour qu'il soit parfait. Et le prophète me dit, et je suis la dernière pierre. Et c'est comme ça que la religion, hein, comme un juif disait à Omar ibn Khattab, il y a un verset dans votre livre. Si ce verset nous avait été révélé, on aurait fait de ce jour un jour de fête. Il dit quel verset? Il dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion. La religion est complète. Avant l'islam, la religion n'a jamais été complète. Ça a été laissé au prophète suivant de compléter, au prophète suivant de compléter. Et Sayyidina Omar lui dit, moi je sais où et quand ce verset a été révélé, et c'est un jour de fête. Parce que c'était vendredi, et c'était le jour de Arafat. Hein? Donc effectivement, c'est doublement fête, c'est vendredi, et c'est le jour de la fête. Donc, il travaille pour lui les lieux de prière, les monuments, les statues, et les grandes marmites pour ses armées et pour sa population. I'malu ala Daoud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukran. Je vais m'arrêter à ce verset et vous laisser continuer à méditer la sourate. Œuvrez, famille de David, en reconnaissance. Remerciez Allah. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Vous avez vu, il fallait la foi pour accéder à la puissance d'Allah, pour accéder, pour voir ce qu'Allah fait. Qu'est-ce que la foi va changer dans ta vie? Ce n'est pas juste que tu y crois. La puissance d'Allah va aussi agir. Il va se passer dans ta vie des choses qui sont paranormales, qui sont au-dessus de l'habituel. Parce que tu crois en Allah. Est-ce que cette fois, ça va rester comme ça, stérile? Yannick, que tu te débrouilles avec les causes, avec le matériel, comme si toute ta prière, tout ton jeûne, tous les péchés que tu évites, ça ne fait ni chaud ni froid. Avec toute ta vie dans la religion, et puis c'est tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu es comme n'importe qui. Tu te débrouilles, si tu coules, tu coules, si tu t'en sors, tu t'en sors. Mais non, c'est pas comme ça quand même. C'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Sa puissance est pour les croyants. Pour qu'il récompense les croyants. La puissance d'Allah est pour les croyants. Hein? Mais ensuite, la reconnaissance. Plus tu remercies, plus il t'en rajoute. Hein? Si tu veux savoir jusqu'où Allah peut te rajouter, voici un bon Dieu. Hein? Si tu veux mettre à l'épreuve ce verset, si vous remerciez, je vous augmente. Remercie Allah à fond pour tout ce qu'il t'a donné. Tu vas voir ce qu'il te donnera après. Et remercie à fond pour tout ce qu'il te donnera après. Tu vas voir ce qu'il te donnera après. Et ne t'arrête pas. Tu verras que le premier qui va se fatiguer, c'est toi, c'est pas Allah. Hein? C'est toi, c'est pas Allah. Mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que, tout ce dont on s'est privé en ne remerciant pas Allah? En disant, ouais, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. La hawla wa quwwata illa billah. Hein? Tout ce que tu as raté. Mais c'est des choses inimaginables. Tu peux même pas t'imaginer ce qu'Allah t'aurait donné si tu l'avais remercié un peu plus. Tu peux même pas t'imaginer. Mais c'est sûr que tu regretteras pas. Hein? Ça, jamais tu vas dire, avant c'est ça, ah, je me suis fatigué, tout ça, pour ça. Non, au contraire. Hein? La récompense d'Allah, Tabaraka Ta'ala, est au-delà des espérances. Au-delà. Allah a pitié de nous. Vous voyez? Allah nous montre
travers l'histoire de David et Suleiman, je ne dirais pas tout ce qu'il peut faire pour un croyant, une partie de ce qu'Allah fait pour les croyants. Voilà comment sa puissance apparaît. Sa puissance est utilisée pour aider les croyants. Mais où est la reconnaissance? Daoud, le prophète dit que le meilleur jeûne est le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour, il mangeait un jour. La meilleure prière de nuit est la prière de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers et il dormait le sixième. Toute sa vie comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? La reconnaissance. Où est donc la reconnaissance? Hein? Tant que tu es reconnaissant, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Tu en as pitié de nous. Comment tu peux être paresseux? Ouais, il y a l'épreuve de l'activité. Qu'il y a trop d'activité, on est fatigué. Il faut se forcer pour terminer le travail, pour ne pas laisser les choses à moitié, etc., pour aller jusqu'au bout. Mais il y a l'autre épreuve qui est plus dure, c'est l'oisiveté. C'est qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, mais il faut adorer Allah. Comment ça, il n'y a rien à faire? Mais il faut prier, il faut apprendre le Coran, il faut faire du dhikr, il faut faire des doigts, mais demande Allah. Il n'y a rien à faire. Subhanallah, ça y est, t'as gagné le paradis. Ça y est, t'es sauvé de l'enfer. Il n'y a rien à faire. Mais c'est terrible ça. Adieu. Mais il y a Allah à adorer. Il y a des bienfaits à remercier. Il y a des bienfaits à demander. Il y a des péchés à demander pardon. Et puis il y a des choses à apprendre. Subhanallah. Vous voyez, quand on n'a rien à faire, et qu'on ne fait rien, et qu'on perd son temps dans des discussions inutiles ou dans des choses inutiles, là vraiment, on montre à Allah son ingratitude. Allah Ta'ala t'a tout donné. Tu as la santé, tu as le temps, tu as la science et tout ce bienfait. Et Allah a fait que tu as tout terminé. Tu as fini de manger, tu as fini de dormir, tu as fini tout. Et tu es là, tu as du temps. Et tu dis, j'ai rien à faire. Et tu gâches ce temps. Subhanallah. Mais comment est-ce qu'Allah va t'augmenter des bienfaits? Mais il t'a tout donné. Et tu dis que tu n'as rien à faire. Et tu tues le temps. Tu gaspilles le temps qu'Allah t'a donné. Mais Allah va t'augmenter quoi? Pour que tu fasses quoi encore? Plus d'argent pour que tu ailles le dépenser bêtement. C'est ça? Profiter de la vie. La hâle la côté de la vie. Et oui, Allah nous a donné l'exemple de Daoud et Suleiman. Et voilà, tous ces dons, mais il y a un secret dedans, frère, c'est la reconnaissance. Qu'Allah Ta'ala nous aide à nous dire. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.